virus et la corona, mais nous nous sommes protégés par le sang de Jésus. Laissons devenir un grand le prendre de nous la main avant de commencer.
Yeah.
me la guérit sans me les guérir. Oh, laisse-nous chanter ce matin. Sans me la guérit sans me les guérir. Son nom est Jésus-Christ. Vite dans la terre, pour mettre sans son misère. Sur la croix, le fait d'un bon ami.
Nous voulons nous placer un moment, nous louer, nous mon Dieu. Un moment, nous glorifier, nous Jésus. Un moment, nous lève nous la voix, nous dire merci. Alléluia. Jésus, Jésus, nous là, dans ta présence, pour louer toi, pour bénir toi, pour glorifier toi. Oh, pour ton merveille qui te fait dans la vie. Pour ton miracle qui te fait dans la vie. De le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu suprême, le Dieu de victoire, le Dieu de miracle, c'est toi, Seigneur, le bénir, alléluia, pour chanter ta gloire, pour chanter tes honneurs, alléluia. Dieu vivant, puissant, glorieux, nous louons toi, nous bénis ton nom, nous glorifions ton nom, alléluia. Oh Jésus, Jésus, à un moment nous prier en esprit, à toi. Welcome Holy Spirit. I'm praying the big the bagan the begin the begin the begin the saying Arab Panda Robo Ribionda Robo Ribianta Rabala Bala Panda the saying I'm praying the Bolopon the begin I'm praying the begin the saying the begin the begin Glorious Glorious Jesus, welcome Holy Spirit. Oh, we are in your presence. Fill me with your power. Oh, Jesus, Jesus. Welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill me with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Yeah.
Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Oui, que là, au milieu de nous, illuminez pour louer toi, pour bénir toi, pour glorifier toi, au Saint-Esprit de Dieu. Illuminez mon temps, ta voix, ta parole, alléluia. Inspire notre cœur, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, que là, Seigneur. Jésus, oui, que là parmi nous. Oui, que là au milieu de nous. Toi, tu sens ça. Thank you.
Les soeurs,
sortisse à l'adoration là, du plus profond du cœur. Seigneur. Ce soir encore, je viens.
monde. Nul ne vient nous prendre de la main, car il mérite une adoration. Celui qui opère le miracle, celui qui garde ses promesses, celui qui est digne de recevoir une adoration. Dieu vivant et puissant et glorieux. Merci, merci, Jésus. Alléluia. Nous prenons place de mettre nos assises. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, 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 amen. Soto corébéanda, babada, babada. Merci. Merci Seigneur. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, nous saluons tout le monde, nous sommes tous bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Comme nous chanter, nous bonne santé pour passer le temps. Amen. Nous bonne santé pour faire l'air passer. Mais nous chanter pour préparer les terres. Et l'homme de Dieu, il a, il vient pour bénir nous, il vient pour s'aimer. Donne-nous la terre, il vient pour sème la bonne sémence, et bien donne-nous les guerres. Et pour nous capables, et bien recevoir cette parole de Dieu que nous pouvons entendre. Et maintenant, le grand plaisir au milieu de nous, alléluia, il y en a quelques chrétiens qui sortent du Nord, vous êtes bienvenus parmi nous, nous acclamons le Seigneur pour vous, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia, 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 alléluia. Maintenant, le plaisir, au milieu de nous, le pasteur Michel Ramchami, alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. La guerre contre les esprits impurs. Amen. Et contre le diable. Et pas la guerre continue. Mettre masque, oui. Dans nous l'intérêt aussi. Parce que nous inquiétons la santé aussi, important. Amen. N'importe où que tu es allé, les frères et sœurs, nous respectons l'autorité, nous respectons les consignes et l'autorité qui nous donne. On va demander plein de permissions. Là, on peut pas causer de masque. Au tiers, ils existent pour causer avec eux pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Encore une fois, on va dire les autres. Bonjour, namasté, namaskar. Bon. Alors, mes frères et sœurs, restez assis. Laissez-nous glorifier le Seigneur pour ce moment qu'il fait de nous pour passer ensemble avec lui. Éternel, notre Dieu, notre Père, te l'amène-nous ici, Seigneur, pour louer toi. Te l'amène-nous ici, Seigneur, pour glorifier toi. Te l'amène-nous ici, Seigneur, parce qu'il doit être Dieu vivant, doit être Dieu qui dirigeait, doit être Dieu qui guidait, doit être Dieu qui bénit, doit être Dieu qui soutenir, doit être Dieu qui fortifiait. Seigneur, nous la confiance en toi. Quand nous crions vers toi, Seigneur, de l'écouter, et te réponds-nous la prière. Seigneur, donne-nous la sincérité dans nous les cœurs, la pureté dans nous l'esprit. La sainteté de notre âme, mon Dieu, car sans cette sainteté de l'âme et de l'esprit, nous ne sommes pas capables dans le royaume des cieux. Purifiez-nous, mon Dieu, prépare-nous les cœurs maintenant pour recevoir ton message. C'est ton message, Seigneur, et qu'on vienne par le cœur de tes enfants ce matin à Bambou. Nous supplions toi, bénis toute ma congrégation qui peut réunir à travers le monde entier. Bénis tout mon chant, ma prière qui m'émonte vers toi. Bénis tout mon message et permets de mon Dieu que tout mon message reste dans le cœur de mes enfants et qu'ils soient capables de pratiquer ce mon message-là. Parce que ton message, il y a une bénédiction pour tes enfants.
bénis le pasteur Derin, bénis tous vos bons frères, vos bonnes sœurs qui sont à la charge d'une congrégation. Bénis tous ceux, Seigneur, qui, avec le pasteur Derin, travaillent dans l'œuvre du Seigneur à Bambou. Bénis l'œuvre missionnaire ici. Touche les cœurs, touche les maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous supplions toi, exauce-nous. Et pardonne-nous maintenant. Amen. L'Église dit Amen fort. Ce matin, mes frères et sœurs, on vous prend un texte bien simple avec eux. La parole de Dieu nous prêche-lui en simplicité, c'est en profondeur. Amen. Amen. Le texte est simple, mais profond. Très simple. Donc ce matin, vous pouvez voir dans Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Vous pouvez lire 5 versets, 23 à 27. C'est tout. Vous pouvez lire plus que ça. Vous remerciez mon frère bien-aimé, le pasteur David, qui n'a mis point pour lui ici. Comme d'habitude. Hein? Grande amitié entre nous, grande fraternité, c'est plus qu'un ami, c'est un frère en Christ et beaucoup dire aussi un frère dans le sang et dans le chair. Amen. Alors, nous lisons ce texte-là, mes frères et sœurs, Matthieu 8, 23, 27. C'est un texte qu'ils ont lu plusieurs fois. C'est vrai que vous pouvez lire avec un autre regard ce matin. Il monta dans la barque, Matthieu 8, 23, 27. Il monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'épeuvement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Mon frère, ma sœur, ce n'est pas la première fois qu'ils ont lu ce texte-là. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont écouté une prédication sur cette tempête apaisée par Jésus-Christ. Mais seulement ce matin, nous ne pouvons trop concentrer l'eau tempête. Nous pouvons un petit peu 25% l'eau tempête, mais nous pouvons 75% l'eau la barque. Amen. Donc, nous pouvons lire dans une autre perspective, dans un autre langue, ce texte-là, ce matin. Alors, le titre en anglais, le titre de sa prédication-là, c'est Embarking with Jesus. Embarking. S'embarquer avec Jésus. Embarking with Jesus. La barque. Alors, mon frère, ma soeur, Jésus se trouve dans la même barque qui tout ce même disciple-là, à ce moment précis-là, n'est-ce pas? Bon, vous posez une question, est-ce qu'ils ont besoin d'un père? Vous connaissez beaucoup de monde quand on nous pose cette question-là? Non, on n'a pas besoin d'un père, frère. Parce que quand Jésus, là, on n'a pas besoin d'un père. C'est vrai, pas besoin d'un père, mais seulement pas besoin d'un père ou humain. Et when you are human, you are prone to fear. Veut dire, quand on est humain ou un père. Définitivement, ça tient la paix là, parfois ça tient l'angoisse là, divini. Après, on peut penser, après, on peut penser, Jésus avec moi, après ça, la peur là, pour chasser, mais dans un premier temps, ça tient la crainte là, divini. Alors, mon frère, ma soeur, soyons humains dans nous l'approche. Ben là, il y a un père, moi, je ne pas blâmer de moi. Jésus-Christ vous dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Si ça n'est pour que la 2000 ans de cela, Jésus divine, juger, le monde qui peut venir disparaître. Ben, l'être humain qui peut vivre, ça, l'époque là, qui peut venir disparaître avec ce Sanhédrin, avec ce pharisien, avec ce scribe, avec ce l'empire, avec ce pouvoir romain. Tout qui peut venir aller. Mais Jésus pas venir juger. Jésus divine pour sauver. Jésus même finit sauve Mandimon qui tue lui, qui crucifie lui, qui verse son sang, qui casse tapé à ce côté, t'assolaté, qui crache l'eau libre. Jésus-Christ est une source. Merveilleux amour. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. Et nous, êtres humains, nous ne sommes pas capables d'avoir sa quantité de miséricorde-là pour bâtir le monde qui vient nous du dos. C'est difficile pour nous parce que nous, humains, parfois nous sommes en colère. Parfois, quand le monde vient nous du dos, on a une tendance,
on dirait révolté contre Satan là, révolté contre sa dimal qu'il fait nous là, révolté contre sa souffrance qu'il inflige nous là. Mais Jésus, il est miséricordieux, il est Dieu. Et dans ce miséricorde, l'icône supporte sa souffrance là sans en colère, sans rendre le mal pour le mal. D'ailleurs, Jésus-Christ vous dit à nous, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Nous, mais si ça m'a dit verset là, mon frère, mes frères et sœurs, de mémoire, hein, mais pas le tout, mais pas le tout ça, parce que je vais verset que je connais quand même. Je dis, gain père, ça m'a disciple là, dans sa labor, là, parce que Jésus-Christ vous dit dans verset 27 quelque part. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je dis, gain père, parce qu'ils ont la foi qui fait. À un autre endroit, Jésus-Christ vous dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à sa montagne-là, lève-toi et jette-toi dans la mer, et cela se ferait, Jésus-Christ dit. J'en ai peu de foi, je perds parce qu'ils manquent la foi. Ce matin, une question très simple qui me pose où. Quel est votre degré de foi? Vous n'êtes pas capable d'analyse ou degré de foi. Vous n'êtes pas capable de juger ce matin. Mais ce matin, la parole de Dieu sauve vous. Si vous la foi vacillant, si vous la foi faible, si vous la foi manque ça la force là, ou bien demain Dieu consolide la foi bien solide. Ça m'a dit mon là, ça m'a dit mon petit manque la foi et c'est pour ça qu'ils ont douté et c'est pour ça qu'ils ont bien peur. Manque de foi est égal à peur. Si nous avons la foi fort puissante, nous pas pouvons bien peur. Amen mes frères et sœurs. Mais l'humain, quand même, nous ne parlons personne si je manque la foi. Et quand il ne veut pas nous manque la foi, c'est parce qu'il nous mène la langue, ça. La parabole des 10 vierges. Combien vierges là-dedans pour sauver? 5. 5 pas pour sauver. Qui fait? Parce qu'ils ont la langue titane. Et quand on dit, les poupées unies, les restes à la ligne de la lampe. La lampe, ils avaient sa lumière. Là, c'est la lampe allumée là, mon frère, ma soeur, c'est la lumière là. C'est ça ou la foi. Et c'est la foi là, bien reste haut, bien reste puissant. Très souvent, nous pensons, les mauvaises églises, comme pour la foi, bien correct. Non, toute la foi, tu bien nourri dans toute la case aussi. Dans toute la case aussi, tu bien prié. Au content suivre, plaisir de worship, au frère, faire. C'est formidable. Vous sentez-vous élevé quand mon frère est à la barre, mon frère David est à la barre, il dirige l'église dans plaisir de worship. Mon frère, ma soeur, mais dans la case, mon frère David, pas pour qu'on va dans toute la case tous les jours. Comment vous faire? Faire, chanter, prier, méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu qu'autour, parce qu'il vous coupe bien, finalement. Sinon, la langue pour taire, ou la foi pour vaciller, ou la foi pour affaiblir, il ne faudrait pas qu'un chrétien soit la foi affaiblie. Pour dire ça, la foi là est faux. Si la foi affaiblie, ou pour un père, comment ça va anticiper là? Ou pour trouver où la barbe peut couler. Mon frère, ma soeur, alors, qui ça va me disciple là, pas-t-il comprendre dans la barbe là? Vous voyez quand on cause la barbe, par contre, pirogue, hein? Un pirogue, c'est 20 pieds. Vous vous rappelez quand vous dites prendre une pièce sportive? Vous dites, vous pouvez avoir une régate. Régate, c'est les courses partout. Alors, tu as une courses pour un pirogue 20 pieds, une courses pour un pirogue 22 pieds. Vous me faites rire là? Je suis à moi, tu as un pirogue ici. 22 pieds, bon. 20 pieds avec 22 pieds, alors mettre 20 choses dans la mer, tout le tour de ça, mais vous êtes bien content, ça a l'événement, hein, allez, qu'est-ce que vous regardez, vous allez vous spiro, 20 pieds, 22 pieds. Là-bas, que Jésus qui était, il n'y a pas un pyro 20 pieds, 22 pieds, ça, hein, il est presque un gros bateau. Ça, là-bas, là, que Jésus qui était, qui va nous apporter, qui servit, je suis capable même d'aller en haute mer avec ça. Parce que dans le texte, il y a nous, Jésus dormait. Jésus, pas capable de dormir d'un pirou. D'un pirou, il y a une traverse, c'est vrai là, hein? Une traverse, comment vous dormez là-dedans? Pas possible ça. Mais pour dormir, Jésus, tu peux dormir dans la barque là. Donc, nous imaginons que Jésus, tu es assez à l'aise, bateau là, tu es assez grand. Alors, mon frère, ma soeur, qui ça m'a disciple là, pas me comprend. Je ne pas comprendre les affaires essentielles. Quand Jésus, dans la barque, n'importe qui t'empête, pour venir là-bas, là, pas capable, couler. Amen. Amen. Et bon, Dieu, vous pouvez nous faire ce matin, mon frère, ma soeur. Vous voyez, ça m'anticipe là, je suis dans la barque là avec Jésus. Quand vous étiez où?
ou dans la barque avec Jésus ce matin. Tous les jours de votre vie, ou dans la barque avec Jésus, ou là-bas, pas à pas, coulez, parce que Jésus y est avec vous. Amen. Voyez, mon frère, ma soeur, les tempêtes vont s'abattre contre cette barque. Mais là-bas, pas à pas, coulez, ou dans la barque avec Jésus, qu'était où la barque? Elle est là, mon cause, la foi. La foi vient alimenter la lampe, si bien un pétrole là-dedans, dans l'époque longtemps, quand vos petits-enfants. Je vous rappelle, dans la campagne, mon papa qui travaille dans l'Est, il est dit à l'Almaty. Je vous rappelle, ça à l'époque-là, c'est là, la lampe pétrole. Pas de temps qu'on a colonne, la lumière, tout ça va. Les petits-enfants, ils ont 3 ans, 4 ans. Alors, la lampe pétrole dans la campagne. Peut-être très bien, Tikin Dimoun, c'est là, la lumière que vous avez. Peut-être pas bien, pas nager, ou peut-être connaître. C'est un petit peu un peu ça, les pauvres. Il y a des vieux, là. La lampe pétrole, il reste dans la cage, la paille, la cage tôle, la lampe pétrole. C'est pas un peu plus simple que ça, les pauvres, là. Hein. La lampe pétrole, pour faire des vignes, le pasteur aussi, il connaît un petit peu ça. Je me rappelle, moi, on a pas de famille qui reste dans ce genre de maison. Mon frère, ma soeur. Alors, la lampe pétrole, si peine un pétrole, là-dedans, la lampe pas allumée. N'est-ce pas? Eh bien, si on peine à la foi dans où on était, ou là-bas, couler, ou dans la barque avec Jésus, ça, la barque là, c'est où la foi? Ça, la barque là, c'est la vie qui basait l'eau, la foi en Jésus-Christ. Je pourrais dire, ça, la barque que tu étais là, c'est la vie basée l'eau, la foi en Jésus-Christ. Si on peine à ça, la foi là, en Jésus-Christ, ou pas dans la barque. Ce matin, on vous analyse bien où l'état d'esprit, où l'état d'âme. Est-ce qu'il vraiment on a la foi en Jésus-Christ? Ou bien vous pouvez faire semblant? Ou bien vous pouvez en bête moi-même? Vous pouvez faire moi-même croire qu'on a la foi, mais au fond de moi, vous pouvez avoir la foi. Mon frère, ma soeur, ou bien analyse bien où la vie, ça la foi là, est important. Si vous donnez la barque avec Jésus, par où la foi? Non, n'y est pas capable d'atteindre un groupe. Alors, il dit, dis-moi, demande-moi. Mon frère, il n'est pas pour malade, il n'est pas pour aussi. Jésus dit dans la barre, sa vie n'empêche tempête d'élever. Jésus dit dans la barre, tempête d'élever. Sa vie n'empêche tempête d'élever, mais qu'il arrive tempête là. Jésus dit, calme-toi. Il menace les vents et la mer, et le vent et la mer, les vents et la mer, il calme. N'est-ce pas? Comme dans la barre avec Jésus. La houle pour lever, la tempête pour lever, dit vent pour une fois, pour une coule ou la barre. Mais ce n'est où la barque pas capable de couler parce qu'il est avec Jésus. Amen. Ou dans la barque avec Jésus. Eh bien, Jésus, dans la barque, dans la barque où la vie à travers la foi. Qui m'a une tempête qui est capable de battre contre tout? Une tempête qui est capable de battre contre tout, c'est le doute. Il ne faut pas prouver qu'il fait chrétien bien douter. Chrétien bien vivant de la vie remplie de foi. Rempli de confiance absolue en Jésus-Christ, en Dieu. Le doute, c'est une tempête qui va pas battre contre tout. La tentation en Dieu, ça va partir de ça. Nous vivons un monde que tous les jours nous confrontons par la tentation. La tentation, c'est une tempête. La convoitise, c'est une tempête. La maladie, c'est une tempête. Quand on dit maladie d'égo, maladie cerveau, maladie d'âme. La maladie, c'est une tempête. Le chômage, c'est une tempête. Problème au foyer, dans la case, entre mari, femme, entre parents, enfants, entre enfants, parents, c'est une tempête. Problème au travail, c'est une tempête. Problème avec nos enfants, avec nos parents, c'est une tempête. Problème avec nos voisins, c'est une tempête. Problème avec nos patrons, c'est une tempête. Et patrons-là, il vous dire problème avec vos travailleurs, c'est une tempête. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Une quantité de tempêtes capable à battre contre nous la vie. Cependant, quelle que soit la tempête qui a battu contre nous, ou la barre, pas capable de couler, ou la vie basée dans la foi en Jésus-Christ, pas capable de couler, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est avec vous. Amen. Jésus est dans votre cœur par la foi. Si vous peinez à la foi, Jésus n'est pas là. Si vous peinez à la foi, Jésus n'est pas là. Mais si vous la foi solide, ou la foi vraie, ou la foi genuine, comment on veut dire, Jésus est là. Et quand Jésus est là, ou là-bas, pas capable de couler. Alors, la question de moi, mes frères, pas pour moi, si Jésus ne vient pas de venir avant, ben c'est sûr que le corps vous dépérit, le poil. Oui.
Mais on connaît que le chrétien ne meurt jamais. Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps. Le corps est tiré de la terre. Le corps appartient à la terre. Et nous sommes d'accord qu'il bien retourne à la terre. La parole de Dieu dit à nous, le corps retourne à la terre d'où il a été tiré. Et le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Ce qui est important, mon frère, ma soeur, c'est le souffle qui retourne à Dieu, ce corps qui retourne à la terre. Bon Dieu est capable de créer sans pareil comme ça. Et d'ailleurs, si mon corps retourne à la terre avant le retour de Jésus, quand il peut venir, il peut dire avec moi, il peut dire ça avec moi, là, mais l'aider. Vous avez l'aider, mon frère, ma soeur, parce que c'est l'autorité qui te cause avec lui. Entre la mort et le démon, et sa résurrection, entre la mort et le démon, et sa résurrection, il y a beaucoup de temps, ça, mon frère, ma soeur. Entre la mort et le démon et sa résurrection, il y a même fraction seconde. Au moment là, mais quand vous ressuscitez, mon frère, ma soeur, il ressuscite le monde. Hein? Alors, sa période, tout le passe-temps, qui vous les corps, il passe dans la terre, là. Il n'en est pas. Au moment aujourd'hui, on peut. Une seconde d'après, fraction de seconde d'après, que vous ressuscitez. Et c'est ça la résurrection, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça qu'il nous dit, le chrétien vit éternellement. Ou la vie éternelle finit commencer. Ou peut vivre dans l'éternité, là. Ou dans l'éternité. Amen, mon frère, ma soeur. Problème ben, d'ici, ce qui manque la foi. Est-ce qu'il voit dans ça problème là? Par contre, Jésus, ce matin, Jésus pas de le juger. Quand il retournait, deuxième coup, il peut vivre comme juge. Première fois, il vit comme sauveur. Amen. Il va vivre comme juge. Et c'est pour ça qu'il tout le temps, partout, que moi, personnellement, vous dites à tout le monde, n'a pas juge au prochain. Comme dit l'apôtre Paul, vous jugez et vous condamnez, mais vous faites les mêmes choses que ceux que vous jugez et condamnez. En condamnant les autres, vous vous condamnez vous-même. Parce que vous pouvez faire des affaires, puis je. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas venu juger. Faire attention. Faire attention, vous êtes capable pour vous prochain, un frère dans l'église, de faire un délai, n'a pas jugé. Priez pour lui. Amen. Supporte-lui dans la prière. C'est ça ou devoir. Ou devoir, c'est pas t'applaudir, c'est pas comment dire moi, d'employer lui, c'est pas comment dire faire lui, décourager encore plus. Non. Ou devoir, c'est prier pour lui. Et c'est sur cela, mon frère, ma soeur. Si vous avez la foi solide en Jésus-Christ, ou dans là-bas, et aucune tempête n'est pas capable de faire ou là-bas. Vous trouvez que cette tempête n'est pas capable de contre vous. Mais il n'y a aucune tempête qui est plus forte que vous. Aussi, ce matin, si vous demandez à raconte une expérience, qui quand c'était tempête, vous avez gagné dans la vie. Beaucoup de chrétiens, tout ça chrétien qu'il a là pour lever, pour vivre devant, vous avez une quantité d'expérience pour raconter, une quantité de tempête qui n'a pas contre vous. Et là-bas, la pâte coulée, c'est encore vivant, c'est encore. C'est encore là, c'est encore prêt, c'est encore, je vaincre tout ça dans une tempête là, mon frère, ma soeur. Embarking with Jesus. Nous embarquons avec Jésus, et quand on embarque avec Jésus, nous sommes en sécurité. Amen. Non, sécurité. Aucune tempête, pas capable de battre. Amen. Au bout dans la barque avec Jésus, aussi longtemps que la foi solide et profonde. Et parce qu'ils sont dans la barque avec Jésus, par la foi, tempête, pas capable, crase ou la barque, pas capable d'affecter ou la vie. Tempête pour lever, mon rédien, tempête pour paraître, ni pour faire ni menaçant, quand il y a une tempête là, on est capable de faire tout menaçant, mais non, il n'est pas capable d'arriver. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas connaître, peut-être qu'il y a une tempête là ou la vie à ce terre là. Peut-être qu'il y en a certains parmi eux, je travaille un petit peu en balance. Peut-être qu'il y en a certains parmi eux qui finissent bien du travail. Peut-être qu'il y en a certains parmi eux qui construisent à la case, qui n'ont assez de moyens. Ils n'arrivent pas au bim, ils n'arrivent pas au dalle, ils n'arrivent pas la même. Ils n'ont pas la case pour continuer. Tout ça, c'est pas une tempête qui vient maintenant où la vie. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est dans votre bas, dans votre vie. Ou là-bas, pas pour couler, il pourrait s'appeler et nous dire amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le grand problème des chrétiens, c'est sa manque de foi. J'en ai peu de foi. Nous passons un petit moment, si Jésus-Christ, dans ce moment-là, si Jésus partit dans la barque là, tu peux couler. Mais la barque là, tu peux couler. La barque couler, malheur arrivé,
par l'épreuve de la vie, je surmonte, je surmonte nous, je vaincre nous quand Jésus parle dans la barque. Quand Jésus là, l'y lève, l'y menace les vents et la mer, et le vent et la mer calmer et nous dire amen, mon frère, ma soeur, quelle que soit la tempête, ou la foi, ou une demeure dans la barque avec Jésus, ou là-bas, par la barque. Mon frère, ma soeur, c'est la foi là, vous connaissez la foi qui transmet. Il n'est pas contagieux. S'il est contagieux, bon, t'as la foi là. C'est la foi qui nous transmet à la génération qui est venue. On transmet ça, aux parents, ils transmettent tout la foi. On transmet la foi aux bons enfants. Aux bons enfants, on transmet la foi aux bons petits-enfants. Voilà, nous tenons un grand-père, nous tenons un arrière-grand-père, c'est dans la foi, nos grands-pères, nos papas, nos mères, nos enfants, c'est tout dans la foi. C'est la foi là pour transmettre de génération en génération, et c'est cela que la parole de Dieu, l'Ancien Testament, appelle des bénédictions en abondance jusqu'à la septième génération. Allez, même, ou béni. Mon frère, ma soeur, quand nous causons bénédiction, nous causons aussi un curse. Et là aussi, malédiction. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel peut dire, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Toi, choisis la bénédiction. Et ce qu'il nous a fait dans nous la vie, si jamais nos grands-parents font certaines choses, pas correct, nous devons prier afin que le Seigneur enlève sa malédiction. Il n'y a pas de la part contre nos familles. Vous connaissez certaines familles, vous pouvez être en malheur. Le malheur se poursuit. Papa ou des morts, et ça, le malheur se poursuit parce qu'il y a une curse. Il y a une curse qu'on ne veut pas connaître qu'ils veulent faire dans la vie, pas connaître qu'ils veulent faire. Et c'est nous, ma génération chrétienne, qui faisons prier afin qu'ils s'accursent. Il ne faut pas prier pour pas le niveau, mais nous prier afin qu'ils s'accursent là. Allez, on ne peut pas faire ça. Hein? On dit, Seigneur, dans vos familles, depuis toujours, il y en a par exemple, diabète, il y en a. De génération en génération, on dit grand-père, papa, nous tous venons malades des guerres. C'est belle curse. Seigneur, au nom de Jésus, vous commandez qui sa curse là. Sa curse qui appelle malade des guerres là. Allez au nom de Jésus. Amen. Et dit ça, allez. Et on a le pouvoir dans la malédiction, mon père, ma soeur. On a le pouvoir. Quel est le pouvoir dans ce pouvoir là? Qui Jésus est père et qui est capable de faire? Ou pour vaincre toutes les tempêtes, par ou la foi. Ou la foi, c'est la grande barre de protection contre tous les malheurs. Ah, on arrive là. C'est le point central, un point extrêmement important. Jésus qui fait dormir. Jésus qui fait dormir. Parce qu'il y a la confiance en son Père. Parce qu'il y a la confiance en son pouvoir. Jésus, ça va me discipler, il y a un Père qui fait. Et il y a deux attitudes différentes. Un peu dormi, tempête qui a pas, il va mettre à s'arrêter quand même poulet par poulet. Et les autres, je tracassé, je perds pour jeter la vie, dans son pas poulet, je pauvre. Deux attitudes différentes. Mon frère, ma soeur, quand Jésus dans la barre, peine pour un père, parce qu'il a pas capable de poulet. Qui manière la barre capable de poulet, le prince de la vie, le donneur de la vie, le créateur de la vie, mort, il n'est pas capable d'arriver ça. Jésus est dans votre bas ou pas capable de disparaître. Les épreuves, la tempête, pas capable d'un coup. Jésus utilise une affaire qui appelle l'autorité. Jésus utilise sur l'autorité. Et qu'il peut dire, mon frère, ma soeur, Jésus se leva, ça verset 26 là, central, menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme, un menaça. Et Jésus capable de dire ça, les vents et la mer là. Tempête, arrête-toi. Vent, va-t'en. Cesse de souffler. Tempête, arrête-toi. Flot de la mer, calme-toi. Et quand les flots de la mer, peut-être ça dit moun qui peut causer là, peut-être ça être qui peut causer là, vous avez bien plus près moi ça. Quand les vents guettent ça, être qui peut dire, vent, calme-toi. J'avais dit, écris-moi ça, il fait du vent. Papa, bien calmer là. Bien, allez là. Les vents se calment. L'autorité de Jésus. Alors, papa, dis-moi, mon frère, ma soeur. Mais Jésus, côté, ils ont dit, pour lui servir sa l'autorité.
physiquement Jésus, au bout d'un moment, physiquement, il parle à moi, physiquement, il parle. Au bout d'un moment, spirituellement, côté des dents ou des guerres. Parce qu'il est dans où les guerres, il est spirituellement présent. Et parce qu'il est dans où les guerres, il est dans où. Les guerres, c'est quoi? C'est le sentiment, l'attitude, la croyance, la foi ou l'émotion, ou pensée. Tout ça, c'est où les guerres. Et parce que Jésus est dans où? Spirituellement, il est présent. Physiquement, il est présent aussi, parce qu'il est dans où les corps. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, où se trouve l'autorité de Jésus? L'autorité de Jésus se trouve en vous. Amen. Vous pouvez mettre une nouvelle aux épaules. On va faire vite. Bien sûr, le pasteur, c'est celui qui a l'autorité pour chasser les maladies, pour chasser tout ça. Il a l'autorité sur tout ça. Sans doute un peu plus que tout le monde. Vous savez comment faire vite. Prends la main. Pose donc l'ouvert. Au nom de Jésus, va-t'en. Moi, je dis à vous, si vous n'avez la foi, vous faites la foi. Amen. Amen. Et si ça problème, ça s'enfant qui pas au délit à vous là. Il peut continuer à droguer, il peut continuer à boire, il peut continuer à la guerre en haut, sur parole pas bon, sur un propos pas bon, il est désobéissant, ou prend la vie, pose-le au lit, mon frère, ma soeur. Esprit de démon, va-t'en, libère mon enfant, divise aller, au nom de Jésus. C'est moi toujours salué au nom de Jésus. Vous connaissez le grand problème des chrétiens? Quand beaucoup de chrétiens prient, pas salué au nom de Jésus. C'est un grand problème, ça. Vous connaissez tout faire quand on peut faire ça? Priez, 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 ou demande 10 requêtes dans la prière, après vous dire Amen. C'est-à-dire, vous pouvez dire bon Dieu, moi, excuse-moi en mon nom. Vous connaissez bien, vous dire au nom de Jésus, il y a un point théologique simple à vous expliquer. Vous pouvez expliquer simplement, tout comme le message est très simple. Quand nous disons au nom de Jésus, avant nous terminer la prière, vous pouvez dire Dieu, moi, qui me demande toi tout ça là, je ne pas digne pour recevoir ça, le public. Bon, pas digne pour recevoir ça, mais au nom de Jésus, au nom du Saint, au nom de l'Immaculé, au nom de ton Fils, qui n'a jamais péché, donne-moi ça, à cause de lui, donne-moi. Amen. Et c'est comme ça que le chrétien est exaucé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que tout le temps, quand nous terminons la prière, nous terminons avec au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tempête, va-t'en. Au nom de Jésus. Maladie, va-t'en. Au nom de Jésus, problème de famille, va-t'en. Au nom de Jésus, problème de chômage, va-t'en. Parce que Christ, Christ est avec moi. Et Christ, pas tolère, ça va le problème là dans mon avis. Va-t'en. Et les bisins, allez, au nom de Jésus, nous avons l'autorité de Jésus. Au nom du Christ, Amen. Passez à vie. Trop souvent, nous passez à vie ça, mon frère, ma soeur. Nous paniquer pour ma main ici. L'épreuve, il dit, nous paniquer. Et n'oubliez pas quoi qu'on a la foi. N'oubliez pas quoi que Jésus-Christ est dans la barque avec nous. We have embarked with Jesus Christ. Nous n'embarquons avec lui. Il est avec nous dans nous là-bas. Il est avec nous dans la barque de notre vie. Nous pas capables de couler parce qu'il est là. Nous menace les vents et la tempête. Les vents et la tempête. Puis saint, allez, nous servir l'autorité de Jésus. Alors, il peut dire, genre de peu de foi, il me demande, vous voyez, l'autorité là, il me dit, ce man disciple, ce man zapote ça. Quand man zapote, il dit. Vous êtes les corps dans la poussière de la terre, vous êtes l'âme avec Dieu, vous êtes le souffle avec Dieu, mais vous êtes les corps dans la poussière de la terre, n'est-ce pas? Ou quand il zapote, puis il vit encore dans son corps, j'ai dit. Il zapote, puis vit Pierre, Paul, Thomas, Barthélemy, Philippe, ce peut vivre dans la chair, non? Je peux vivre en esprit avec Dieu dans le royaume. Je ne pas dans la chair. Mais mon frère, ma soeur, si vous dites à moi, Jésus donne sa vie sous apôtre, ça veut dire ça tombe là. Oh, encore un démon guéri, encore un miracle, encore un mort peut ressusciter, encore une maladie cancer peut guérir, encore un aveugle peut trouver clair, encore un lépreux sous la peau peut blanchir. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc, manquons sur l'autorité encore là, à travers les disciples que vous êtes. Et d'ailleurs, même petit lot là-bas, là, Jésus-Christ vous dit aux autres gens de peu de foi. Quand il dit aux autres gens de peu de foi, qui Jésus peut dire à nous? Toi, de la foi, bien faux. Toi, de la foi, bien solide.
Et dans l'évangile selon Jean, il peut dire ceci, moi je veux faire un miracle, je veux te faire un miracle qui plie grand qui ça, qui plie extra qui ça, je ne peux pas faire ce que qui s'en a ça ce là. Juste les 11 apôtres, on peut dire 11, on va dire 12, pour Manes Judas. Juste Banda, non? Ça veut dire, si c'est ça, 11 là, tu n'es pas capable de faire ça, mon père, ma soeur. Ça veut dire que le christianisme, tu peux plus disparaître depuis longtemps, depuis le 1er siècle. Oh, le christianisme est toujours vivant, encore toujours, il y a des miracles extraordinaires. Et tout bon chrétien, encore toujours, peut vivre un moment extraordinaire avec Jésus qui danse de la mort, qui danse de la vie, qui encore et chasse la tempête. Au nom de Jésus, amen. Mon frère, ma soeur, le plus grand problème des chrétiens, c'est le manque de foi. Et parce que là-bas, embarquer avec Jésus, s'embarquer avec Jésus-Christ, vous connaissez quand il y a un bateau, vous connaissez souvent le même problème dans vos vies, c'est le problème, c'est qu'il va le récif des mots. Il va le récif des mots parce qu'il pose des bouteilles plastiques, sacs plastiques dans la mer, il y a un produit chimique là-dedans qui touche le poisson, et c'est le poisson qui nourrit et qui crée le récif. Alors, qu'il nous fait pour remplacer le récif des mots là, c'est nous l'irresponsabilité qui tue le récif, et le récif est extrêmement important. Si il y a un récif, il y a l'amour. Si il y a l'amour, tout ne risque pas de venir. L'économie d'amour ou de don, l'économie touristique. Alors, mon frère, ma soeur, qui se fait pour remplacer un récif? Je prends un bateau, je sabote le bateau là. Prends mon bateau, sabote, il veut dire créer un trou dans ce lacot en bas. Le bateau là coulé, il ramasse de l'eau, il coule dans place récif là. Et quand il coule là, poisson réuni, poisson vient de la case, récif là rébâti, dans place que ce bateau là finit sabote. Alors, comme ça, bateau là, vous pouvez. Mon frère, ma soeur, vous connaissez ce que le chrétien fait? Ben chrétien fragilise là-bas. Ben chrétien, je sabote là-bas. Quand il condamne personne, vous pouvez mettre en garde. N'a pas fragilisé là-bas. N'a pas coulé le bateau. N'a pas créé une brèche dans la coque. N'a pas créé un trou dans la coque bateau là en bas. Pour qu'il y ait l'eau rentrée, pour qu'il y ait coulé. Nous sabotons nos propres bateaux. Qui manière? Nous sabotons nos propres bateaux, nous coulons nos propres bateaux, nous dérangeons la foi, nous détruisons nos propres la foi, en péchant contre Dieu, en péchant par la pensée, par la parole, par les sentiments, par les attitudes, par les actes. Nous sabotons nos propres bateaux, nous sabotons, nous gâchons nos relations avec Dieu. Dieu n'est pas responsable si nous l'avons coulé, si nous l'avons échoué parfois. Si nous l'avons coulé, mon Dieu n'est pas responsable, c'est nous qui sommes responsables. Parce que nous, à travers le mal péché, nous pouvons nos propres bateaux. Vous ne pouvez pas voir si le chrétien peut être capable de demander, mais si vous prenez la foi, mon frère, ma soeur, si vous prenez la foi, moi, mon Dieu, pourquoi avec vous? Ce sont vos péchés, Esaïe dit, le prophète Esaïe. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et de vous exaucer. C'est nos mêmes péchés qui empêchent mon Dieu, écoute-nous, exauce-nous. Si donne-nous la vie là maintenant là, au père de Dieu, rentre dans ce monde, analyse la vie, guette de tes guerres. Est-ce qu'il y a un péché dans tes guerres? Est-ce qu'il y a trop d'orgueil? Est-ce qu'il y a trop de méchanceté? Si on a un péché dans vos chasse-lui, parce qu'il y a un sabot ou un propre bateau, ou un goule ou un propre bateau, mon frère, ma soeur. Le péché, au pas dire que vous avez un saint à 100%, et un degré de péché que Dieu n'a pas toléré, vous connaissez. Si vous pouvez pécher sans cesse en toute connaissance de cause, vous connaissez, vous pouvez pécher, c'est moi, on peut prendre plaisir là-dedans, prendre plaisir à pécher, on va même lutte contre ce péché-là. Comment vous demandez que je suis? Le péché est fait pour être accusé. Toi, péché, mensonge, te donne la vie, toi. Que vraiment que je mentis. Mais c'est moi, m'accuse-toi. M'accuse-toi, me pointe-toi du doigt. Te donne la vie. Au nom de Jésus, me chasse-toi. Amen. Il faut les ouvrir ton église. Il faut les accuser. Il ne faut pas, comment dire, on passe l'éponge dans là. Et dans beaucoup de chrétiens, mon frère, ma soeur, je passe l'éponge dans un péché. Non, on ne pas comme ça, moi. Même si moi, il y a ce souci, non, on ne pas comme ça, moi. On ne pas le faire tel erreur, on ne pas le faire telle faute, moi, mon frère, ma soeur. Faites attention. Si on peut vivre avec un péché, si on peut vivre avec un péché, c'est extrêmement dangereux pour, et peut-être même, on va être béni parce qu'on peut vivre avec sa péché-là, dans où la vie, dans où les guerres chassent sa péché-là, sinon on va donc couler. Amen. Chasser, mon frère, ma soeur. Et c'est ça notre devoir.
accuse-lui, chasse-lui. Le diable, prenez le diable qui lui fait, le diable aussi présent dans nous la vie, l'y invite nous commettre des péchés, pour fragilise nous la barbe. L'y invite nous commettre des péchés afin qu'il nous la barbe couler, afin qu'il nous la vie basée dans la foi en Jésus-Christ, l'y couler. Nous disons bien non au diable. Soyons victorieux sur le péché. Le chrétien n'est pas capable de nous pécher dans sa vie. Si vous lisez les épîtres de Paul, l'épître de Paul, les causes de l'impudicité, les causes de l'adversité, les causes de la pureté, la purification, purification de l'âme, purification par la foi, la purification, la sanctification, les épîtres de Paul, Jésus-Christ, pardonnez que celui qui n'a point de péché jette la première pierre. Et Jésus-Christ vous dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas, va, va en paix et ne pêche plus. Amen, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, pas condamne-moi, pas penser que vous faites un péché. Ah, moi je suis loin de Jésus. Jésus, pas pour bénir moi, non, pas pense ça. Quel que soit le péché que tu es capable de faire, peine à grand péché, peine à petit péché, pas pour dire trop gros péché, ça, bon Dieu, pas pour bon Dieu, pardonne-toi. Assez dire des bêtises, bon Dieu, pardonne-toi, peine à gros, peine à petit péché. Mais seulement ce qui te vient faire dans ta vie, accuse péché-là. Dénonce-le. Et chasse-t-il. Amen. 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 Pas vivre avec le péché dans toute la vie, mon frère, ma soeur. Si elle a ce matin, tout puissant que n'a le devoir de le chasser, ta barbe ne coulera jamais. Parce qu'il te chasse le péché dans toute la vie, te chasse la malédiction dans toute la vie. Et chaque péché qui nous nourrit dans toute la vie, comprends ça bien. Chaque péché, qu'il y soit la jalousie, qu'il y soit l'envie, qu'il y soit la méchanceté, qu'il y soit n'importe quoi, le péché, l'alcool, la cigarette, la drogue, quel que soit l'adultère, quel que soit le péché qui nous nourrit dans nous la vie, c'est une malédiction pour nous. Nous pouvons mettre la malédiction dans nous la vie, nous disons chasse. N'a pas pensé à ce moment de plaisir que le péché est capable de nous donner. Mais Satan nous donne. Putain, te connais qu'à tes plaisirs, toi, rien, non, ça n'a pas pensé à mon frère, ma soeur. Ce petit moment de plaisir là, pour amener la vie de souffrance après. Petit moment de plaisir de quelques minutes, d'un jour, il peut amener 50 ans de souffrance et de misère, pas pour la peine. C'est ça la malédiction du péché et qui nous vient chasser de notre vie, mon frère, ma soeur. Viens non au diable, pour pas qu'on pêche contre l'éternel, pour pas qu'on pêche contre Dieu, contre Jésus. Si nous vainquons le péché, bon Dieu n'a pas fait des miracles à travers nous. Ce matin, on ne peut pas connaître la vie. On ne peut pas connaître qui péché est là où on est. On ne peut pas connaître qui péché on peut faire sans cesse. On ne pas connaître. On ne peut pas juger. On ne peut pas croire qu'on a nous non plus. Mais ou même, on peut analyser propre la vie. Si on trouve quelque chose de pas bon dans sa vie là, chasse sa malédiction du péché là-dedans, afin que Dieu n'a pas pardonné. Vous connaissez le péché, il y a comme un mur entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et de vous exaucer. Le péché est une malédiction, c'est un mur qui empêche mon Dieu exauce-nous. Si le péché domine dans nous, nous pèterons un trou dans nous là-bas. Nous pèterons un trou dans nos relations avec Dieu. Développer en bouffée et rentre là-dedans. Tempête pour la raison de nous. Pas de là pour couler si nous pouvons nourrir le péché dans nous la vie. Chasse le péché dans notre vie. Là où la vie peut-être, la fête des mères, on me rappelle, il y a même un message pour la fête des parents. Bon, fête des parents, et maintenant nous, honore ton père et ta mère. Nous basons-nous dans ça, commandement donné par Moïse au Sinaï. Tu honoreras ton père et ta mère, nous basons-nous dans là. Honore ton père et ta mère, nous. Nous aussi, nous pas un jour la fête des pères et des mères. Je ne vais pas célébrer ça, moi. Hein? Pas célébrer ça. Ton papa, ton maman, quand même, j'ai échoué de ça. C'est un petit cadeau. Ton papa, ton maman, fait un cadeau. Honore ton père et ta mère. Nous, pas nous, ça vient, c'est là, nous dit oui. Nous, honore nos papas, nos mamans. Nous donnons un petit cadeau, nous aussi, même si nous avons fait chrétien. Nous, mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que nos enfants, pas cause de son papa? Est-ce qu'il y a un frère, pas parce qu'il y a un frère, la cause d'un pouce terrain? Est-ce qu'il y a un parent, pas bien que ses enfants, pour une raison similaire, pour une raison ou pour une autre? Est-ce qu'ils n'est pas content au maman ou au papa, parce qu'on pensait qu'il est plus content au frère ou au sœur qui est où?
Pas fait non nier ce qui parle de nous de la terre, qui parle de nous de nos frères ou sœurs. Pardonne-lui. Réconciliez avec lui. Réconciliez. Si tu apportes ton offrande, dira le Christ, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Jésus dit à Bobesipidin, de mémoire, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La réconciliation est un point central du christianisme. Ou pas bien pour frère ou sœur, ou pas bien pour frère ou sœur de l'Église. Peut-être nous n'hésitez pas à demander ce qu'ils disent. Fais bien le sourire, commence par un sourire. Peut-être pendant longtemps on va te poser en vie. Fais bien le sourire. Ensuite, de toi, approche et donne-lui la main. Ensuite, troisième coup, recommence aux amis. Recommence aux amis. Sa réconciliation-là, quoi, même la bénédiction dans où la vie, la haine et l'écart, et où nourrit sa rancœur-là, quoi, même le cœur, Seigneur, life. La malédiction, chassez la malédiction, parce que vous êtes dans la main avec Jésus. Quand vous le baptisez, on embarque avec Jésus. Et parce qu'on embarque avec Jésus, Jésus est le capitaine du navire. Jésus dirige le navire, dirige le navire. Et c'est Jésus qui prend toute direction. Jésus vous dira dans sa direction là. Là-bas est la tempête. Là dans sa direction là. Là-bas est un. À grand trou dans la mer, t'es encouffré dans le bateau là. Là-bas est un ça. Là-bas est un ceci. Là-bas est un cela. Là-bas est un les flots. Dans le flot qui est les 33 pilotes qui battent là, mais beaucoup le bateau là pas. Écoute Jésus, écoute cela, voix. Fais ce qu'il dit à mon père, ma soeur, la bénédiction pour construire. Jésus qui tranquille dans la tempête. Jésus qui peut dormir parce qu'il connaît, qu'il est capable de vaincre toutes les tempêtes. Nous disons qu'il a la tranquillité, l'assurance de Jésus parce qu'il lui-même, Jésus-Christ, est dans nous. Tempête là, vous l'aimez, il faut calmer parce qu'il est dans nous. Il n'a pas paniqué devant n'importe quelle tempête. Mais donne l'espérance qui nous capable de vaincre les tempêtes, mes frères et mes sœurs. Jésus qui peut dormir physiquement. En réalité, ce n'est pas Jésus qui dormit. C'est un chrétien qui peut dormir d'un sommeil spirituel. Nous qui peut dormir d'un sommeil spirituel. Nous peut dormir d'une léthargie spirituelle. Délaissons ce sommeil spirituel. Sa sommeil spirituel là pour faire nous perdre de la vie éternelle. Sa sommeil spirituel là pour faire nous rester dans les problèmes, dans la souffrance. Lévez si vous pouvez dormir spirituellement. Il n'a pas dit, tout comme ben juif qui peut dire, nous avons Moïse, nous avons Abraham pour père, nous avons Moïse pour prophète. Chrétien qui dit, nous avons Jésus-Christ dans l'église tous les dimanches, tous les jeudis. Il n'a pas dit ça, mon frère, ma soeur, donc il est installé. Dire qu'il doit être pécheur, le publicain et le pharisien. Seigneur, je te rends grâce, dira le pharisien. Je rends la dîme du cumin de la menthe. Je ne suis pas comme ce publicain, pécheur. Au saint. Mépris, médisance. Et que dira le publicain? Seigneur, sois apaisé envers moi, moi qui suis un si grand pécheur. C'était mon diable, allez là. Identifier au péché dans la vie, faire comme le publicain, accuse-lui, le publicain fait ça, accuse-lui, accuse péché là, chasse-lui. Et Jésus-Christ dira, je vous dis, en vérité, je vous le dis, la prière de ce publicain a été acceptée et non la prière du pharisien. La prière de celui qui reconnaît ses péchés, qui accuse ses péchés, qui chasse ses péchés au nom de Jésus, c'est cette prière-là que Dieu accepte. Amen. Et nous pensons, mon frère, ma soeur, Amazing Grace, ce grand capitaine de vaisseau, qui a le prend d'un étrier en Afrique, qui amène eux, qui enchaîne eux. Il prend 200, 100 mots dans la table là-dedans, sans y amener. Il nous donne un riche, une toute beaucoup du monde. Enzo, il recevoir l'évangile. What a wretch I was! Amazing grace. What a wretch I was. Veux dire, quand t'es péché, il reconnaît ce péché. Qui constait dit mon père? Qui constait le mal, mon père? Amazing grace. Seigneur, malgré tout ce man dit mon touillé, tout ce man esclave, mon tiré dans une pierre, dans la forêt, dans la savane.
Mon ami, je t'en veux pas tout pour moi, mon femme des restes. Te parle. Amen. Amazing grace. Bon Dieu, pardonne-nous si on reconnaît le péché. Amen. Ou capable de faire plus gros péché que ça, capitaine des cela. On fait plus gros péché que lui. Connais? Or sans un dimoun, comme en sans un noir, il est racé dans un pays privé. Bon, c'est moi, bon Dieu, pardonne-nous. Ou pas mesurer la profondeur de la miséricorde de Dieu, incommensurable. Incommensurable veut dire peine à mesure, peine à profondeur, peine à l'enjeu. Quel que soit le péché que vous faites, Dieu est miséricordieux, il te pardonne. Mais lève-toi de ta léthargie spirituelle, chrétien. Lève-toi, réveille-toi de ton sommeil spirituel. Ce n'est pas Jésus qui dort, c'est toi qui dors. Réveille-toi, chrétien. Soyons éveillés spirituellement, qui nous la foi lui laisse vivant et qui nous la barre lui maintenu à flot. Si nous la foi n'est pas vivant, on peut aimer. Si nous la foi n'est pas vivant, nous la barre pour couler, ne pas pour gagner la vie éternelle, pas le problème pour rester dans nous la vie, ce pour mine nous. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens allaient, beaucoup de chrétiens et chrétiens veulent changer l'église. Parce qu'il n'y a pas bon ici, il n'y a pas bon ici, il n'y a pas bon ici. Là-bas, s'il y allait des messagers, là-bas, il courait. Là-bas aussi, il n'est pas content, là-bas. Et finalement, on est retourné tout seul. Il a 10 places, aucune place pas bon. Aucune place pas bon, il dit tout seul, bon. Et il est retourné tout seul, et il répond dans le monde. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pasteur qui parle, qui n'est pas correct. C'est nous, parfois. Nous, la vie pour nous, nos relations avec Dieu, parfois, pas correct. Nous faire semblant parfois nous croire. Bon, ben, plus personne, hein. Bon, rédigez, depuis le commencement, on peut dire, pourquoi on a vu personne ici, hein. Pourquoi qu'on a vu la vie, hein. Mais, il y a beaucoup de chrétiens qui fait avec Dieu. Quand on peut pécher, on peut casser un péché dans la vie, on peut pécher contre Dieu. Quelle manière on est capable? On peut priver de la bénédiction de Dieu. Chasse le péché, accuse-le. Le publicain, sois apaisé, Seigneur, envers moi. Moi qui suis un si grand pécheur. Il reconnaît son péché, il accuse son péché, bon Dieu exauce la prière. Nous reconnaissons nos péchés, bon Dieu chasse le péché et nous reste dans la bénédiction. Mon frère, ma soeur, elle la barque, si elle la vit, il brave toutes les tempêtes. Ou la barque, ou la vie, ils aiment la barque, il brave toutes les tempêtes. Il n'y a aucun problème qui n'a pas plus faux. Même pas un problème qui paraît insurmontable. Ou dans la barque, ou un gros flot, un tsunami. 10 mètres au terre, alors vous paniquez, pas besoin de paniquer, parce qu'il est au plus fort. Amen. Au plus fort, qui s'afflot, qui levait 10 mètres, 15 mètres là, parce que Jésus est en vous. Jésus dans vous d'abord, il propose à Jésus là. Il crée le monde, il crée les planètes, il crée l'univers, le cosmos. Non, il n'est pas plus fort qu'il dit. Elle la foi solide en Jésus-Christ, c'est un là-bas qui est capable de vaincre tout bas de tempête. N'a pas laissé, non, il n'est vaincre. Fragilise ou la foi. C'est la petite chose, mais fragilise ou la foi. Chasse-le de où la vie. La foi, non, n'y est vaincre ou la foi. Ou la foi, mais un faux. Ou la barre, ou la foi, c'est ou la barque qui pourra mener vers la vie éternelle. Amen. Vous êtes debout, je vous remercie le Seigneur. Et je te la tête. Je ne peux pas oublier, je te la main. Si je t'en dis, je te la main droite. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, Seigneur, te rappelle-nous qui nous embarque avec toi, qui nous donne la même barque que Jésus-Christ. Et quand Jésus est là, la barque pas foulée, tempête pour lever, problème pour venir, mais seulement Jésus vous chasse la tempête et il vous menace les vents et les flots, parce que Jésus compte en nous. Dieu est amour. Seigneur, il faut que ceux qui servent Dieu, le servent en amour et en vérité. Seigneur, ce matin, faut pas connaître une tempête qu'il y a dans la vie, mon frère, mon soeur. Peut-être première tempête, c'est manque la foi. Peut-être première tempête, nous pouvons hésiter pour accuser nos péchés. S'il y a des pécheurs ici ce matin, Seigneur, qui peut casser un péché dans la vie, au nom de Jésus, nous chasse, ça va le péché là, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est malade,
qui n'a problème dans ce la foi, qui n'a problème dans ce famille, qui n'a problème dans ce travail, qui n'a problème avec ses parents, avec ses enfants, avec son école, avec son patron, avec son entourage que tu restes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous commandons à la tempête de disparaître. Nous commandons au vent de se calmer et nous commandons au flot de la mer de s'arrêter, Seigneur, de se calmer dans la vie, ça va nous faire, ça va nous sœur là. Bénis-nous tous. Bénis abondamment, mon frère bien-aimé, le pasteur Guérimou. Donne-lui, Seigneur, beaucoup d'intelligence et de sagesse. Comment même déjà donne-lui? Donne-lui encore plus, comme Salomon, Seigneur, pour diriger ton peuple. Nous connaissons, Seigneur, que la prière que Salomon t'y demandait, disait, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour me capable de vaincre ton peuple. Bénis tout bon pasteur à travers le monde. Reste avec nous tous. Bénis la suite, Seigneur, du service. Bénis-nous dimanche, bénis-nous la semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous supplions toi et ce soir. Et pardonne-nous. Amen. L'Église crie Amen. Et nous disons tous ce matin, au nom de Jésus, quel que soit le problème qu'il y a dans la vie, au nom de Jésus, me chasse-toi. Au nom de Jésus, me chasse-toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, trois frères.